Alors, re-salut YouTube, on est en train de continuer sur cette fabuleuse dernière énigme, enfin pas dernière, niveau 32, on n'a pas beaucoup avancé, mais voilà, je relance tout de suite le split en résumé, voilà. Et on était du coup sur nos points cardinaux, là, enfin points cardinaux, nos coordonnées latitude, longitude. Et c'est là qu'ils exposent une de mes œuvres. Mais qui suis-je au fait? Donc apparemment, il y a une œuvre, Mère de Barin. Donc on va regarder. Géopolitique, réserve pétrolière. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre ici? Je tapais œuvre. Hein. Y a pas. Artiste, peut-être. Il n'y a pas. Il n'y a rien hein, dans votre truc là. Bataille de la mer. Explosion, c'est explosion ou exposition? Expose, non, c'est expose. Bah on va taper exposition. Je sais pas pourquoi je sens que c'est pas ça. Elle a été habitée par les hommes. Ok. Elle a été découverte par William. Ok. Où il est mort du scorbut. Ok. Exposition minière, exposition. Ok, je cherche du coup le. On va rechercher, merde. Ben. Il propose également des expositions sur la mer de Barents. C'est une des mers les plus productives, mais c'est quoi les expositions? J'expose, c'est là qu'ils exposent une de mes œuvres. Bah dans le musée de Svalbard, il y a quoi? C'est ça, c'est le musée. Il y a quoi dans le musée de Svalbard? J'étais déjà. Ok. D'accord, donc ok. Ok. Je comprends pas. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas ça? On va taper exposition. Ça devrait être le premier, la première. Munch? C'est Munch? Possible que ce soit Munch? Non, c'est pas ça. On va regarder l'indice. Terra Server. Bon, on va checker sur Terra Server du coup, parce que c'est j'ai vu tout à l'heure, mais. Payant. Il est payant. C'est payant. Donc, ça, c'était Terra Server avant. Oui, mais là, faut payer maintenant, tout le temps. Peut-être pas Terra Server, du coup, maintenant. Bon, en tout cas, c'est clairement ce qu'on avait déjà trouvé. C'est des latitudes et des longitudes. Donc, on va essayer de hop, 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 hop. Ah,
Ah, c'est moins 74. Oh là 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 là. C'est déjà. Hein? Il a marqué moins. Ah oui, c'est moins 74. Du coup, on va revenir sur notre calcul là. Parce que si c'est moins 74, c'est moins ici. C'est quoi? C'est où ça? Moins 74, 40, 69, 0, 18, c'est ça. En Antarctique. Exposition en Antarctique. On va taper exposition. Edward Snowden? Sérieusement? Je crois pas. Hein. Pourquoi il y a du Snowden partout? En tout cas, c'est en Antarctique. Alors, on va regarder. Hein. Exposition Antarctique. Qu'est-ce qu'ils exposent en Antarctique, sérieusement? Oui, l'Institut Royal des Sciences, je peux comprendre qu'ils exposent là-bas. Confluence aussi. Bruxelles, ok. Bah, on va regarder œuvre. Ah, il faut que ce soit avant 2005. Enfin, avant 2000, je sais pas combien. 2005, je pense que c'est ça, ouais, pour ouverture facile. Est-ce qu'on va vraiment trouver? Tellement d'expositions qui se passent à l'année. Ok. Il y a dû en avoir plein, là, parce qu'ils se sont battus les couilles du réchauffement climatique. Artiste en Antarctique, exposition de peintre et sculpteur, ouais, c'est possible, on trouve là. Compliqué, hein. Bernet, ça peut être ça. Bon, moins 75, comment retrouver un? J'ai ça, mais j'ignore. Monte Yahoo, ça c'est une question pour ouverture facile. En général, la latitude est donnée, ouais. Moins étonnement aussi des informations telles que ouest, à vue de nez, je dirais que les chiffres correspondent au moins à 4 endroits différents sur la planète. Même plus vite si on les inverse. On va pas utiliser Google Earth, nous. Hein. En plus, il avait mal écrit aussi. 74. 70. C'est vrai que ça peut être écrit à l'envers. Hein. Si c'est écrit à l'envers, ça voudrait dire que ça, c'est après. Et là, peut-être qu'on va trouver ailleurs. Non, mais sois réglo avec moi, s'il te plaît, c'est des coordonnées. Ohio. Déjà, on est aux États-Unis. À Rockford. Est-ce que c'est ça? Je vois pas les coordonnées là. Sont où les coordonnées GP? Elles sont où les latitudes là? Là, latitude moins 84. Ah, on n'est pas très loin de ça. Mais sauf que c'est pas la même. Ouais, on va essayer d'inverser. Parce qu'en Antarctique, c'est compliqué. Ah! Krone Café, Café Plaza.
ça ressemble à quelque chose où on peut exposer. Non mais zoom sur le truc, s'il te plaît, respecte-moi. C'est à New York. Une exposition à New York, au Crown Café. Crown Café, c'est quoi le Crown Café? Crown Café Exposition. C'est pas écrit pareil? Il y a la statue de la liberté. Monkey Bird à la croix. Bon, attendez, on va revenir en haut, on va regarder ce qu'il y a déjà dans Crown Café Exposition, ce qu'ils disent. Et le jeu de la dame, une exposition virtuelle. Les expositions de décembre 2020. C'est ça le Crown Plaza? C'est ça? Ça a peut-être changé hein, depuis. Hein. Bon, zoom. Ouais, Café Plaza, si, c'est ça. Il y a eu deux. Alors, nos artistes s'exposent, 12 euros original. Ah, ok. Là, il y a plusieurs noms. Est-ce que ce serait Tarek? C'est le seul nom que je connais. Non. Non, c'est pas ça. Là, j'ai l'impression que c'est. C'est pas exactement ça. Mais j'ai bien écrit Crown, qu'est-ce qui se passe là? Crown Café, Café Plaza. Je vais écrire tout. Café Plaza, New York. Le Crown Café, c'est dans la Statue de la Liberté? Donc c'est Eiffel. Non, c'est pas Eiffel qui a fait la Statue de la Liberté. Ah oui, c'est juste à côté. Et bien du coup, comment s'appelle la Statue de la Liberté? C'est qui l'a fait déjà? De la Liberté. Eugène Viollet-le-Duc? Non. C'est pas Viollet-le-Duc. Statue of Liberty, Crown Café. C'est peut-être ça. Hein. Et c'est le burger? C'est sur Liberty Island apparemment. On va zoomer jusqu'au bout, on va voir hein, si c'est vraiment sur Liberty Island. Ça a l'air. Je crois que c'est là, hein. Je suis pas sûr, mais. Attends. Oui, c'est ça, Statue de la Liberté. Liberty Island Sculpture Garden. Hunt, Crown Café, Statue of Liberty Island, Statue de la Liberté, mais du coup, on en est là. Qui l'a fait déjà? C'est un Frenchie, mais je sais plus comment il s'appelle. Eiffel, architecte Viollet-le-Duc. Ah ouais, c'est un combo. Hein. Vas-y, on va essayer Eiffel. C'est pas Eiffel. Pas écrire Viollet-le-Duc, ça dure 15 ans. Okay. EI2F, j'ai bien écrit comme ça. Hein. EI2FEL. Oui, c'est ça. Du coup, c'est pas ça. Bartholdi. C'est une exposition, donc Bartholdi, c'est plus expo. Bartholdi. Ouais, c'est ça. C'est bon, hein, je suis. Et on dirait qu'il y a un décalage encore, j'ai appuyé deux fois. Je sais pas. Ah oui, peut-être parce que. Oh, bon. Ça, c'est Jesus. C'est le portrait de Jésus réécrit. Voilà. Journal. Ça, c'est une lettre. Une lettre des. Alors, les gouvernements. Alors, sur quelle date? Ça, c'est une grande question. Jean, texte. On va regarder journal.texte d'abord. Ça va être ça. Journal, texte. Je suis désolé de pas avoir fait celle d'avant. Enfin, celle d'avant, si, je l'ai fait. C'est juste que c'est le portrait connu d'art de
Jésus, imaginez. Sept pigeons voyageurs, c'est pas imaginé d'ailleurs, c'est le plus proche, se sont envolés pour délivrer des messages aux quatre coins de la France. Chacun avait son plan de vol. Sept messagers sont arrivés à bon port et ont accompli leur parcours respectif. Il semblerait cependant que Léopold, toujours à la traîne, ait égaré son plan de vol. Après avoir observé le parcours de ses camarades, il a sans doute dû en tirer des conclusions farfelues, comme à l'accoutumée, toute personne aussi tordue que Léopold est encouragée à nous fournir des informations sur la ville où pourrait se trouver notre pigeon étourdi. Merci de notre aide. Afin d'entamer des recherches coûteuses, nous vous invitons à nous soutenir si vous le désirez en cliquant sur nos antiques manuscrits publicitaires. Très bien. Donc, du coup, il faudrait que j'ouvre tout. Et sans doute une page de la carte de la France. Aussi. Martin. Alors du coup, c'est Léopold. Est-ce qu'on peut faire Léopold texte? Non. Ok. Martin texte. Pigeon Martin, vous devez assurer la livraison de messages pour la ville de Niort, Libourne, Brive, Saint-Brieuc, Angoulême, Limoges, Guéret, Luçon, bonne chance. On a besoin d'une carte là, hein, je crois. Hein. C'était Bartholdi pour la niveau 32 et là on est à niveau 33, c'était Jéju. C'était facile. Niveau 34, c'est les pigeons. Je me note en même temps, histoire de pouvoir réviser dans ma tête en même temps. Du coup, il faut une carte de la France. On va ouvrir, parce que j'en ai plein des cartes de la France là. Je vais ouvrir Photoshop surtout. Ok, on a, il nous faut une carte. Faut qu'on fasse Martin, Auguste et qu'on trouve Léopold, qui est un mec qui est perdu. Donc, journal texte. Sept pigeons voyageurs se sont envolés pour délivrer des messages aux quatre coins de la France. Chacun avait son plan de vol. Donc, tout le monde avait son plan de vol. Sept messagers sont arrivés à bon port et ont accompli leur parcours respectif. Il semblerait cependant que Léopold, toujours à la traîne, ait égaré son plan de vol. Après avoir observé le parcours de ses camarades, il a sans doute dû en tirer des conclusions farfelues, comme à l'accoutumée. Et faut trouver la ville où il est. Ok. Photoshop se lance. Hein. On va y aller. Ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. J'espère que c'est pas la même carte qu'il faut. Je pense pas. Il faut une carte, c'est sûr. Il faut clairement une carte, il faut qu'on fasse les points, qu'on trouve tous les endroits au fur et à mesure, tout ça, tout ça. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, ça s'ouvre ou bien? Photoshop. Ça a l'air de fonctionner, hein, le... Ça a l'air de fonctionner, le... Les sous-titres en live direct. C'est cool, mais il faut que j'articule un peu plus. Parce que là, par exemple, là, j'articule plutôt mieux. Mais je parle moins bien français.
Bon, ça me rend fou l'histoire des sous-titres, j'adore regarder. Ok. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose Photoshop ou... Non. Alors faut patienter un petit peu, là il y a Photoshop qui commence à prendre son temps. Patiente un peu. Prends ton temps, t'inquiète pas, tu es là, nous sommes là, nous sommes ici pour t'accompagner. Bon allez Photoshop, hein, c'est pas comme si j'étais en speedrun. LOL. Il va se lancer à un moment, il va se lancer, il va être là, il va être au taquet après. J'espère juste que j'ai vraiment une carte de la France là, actuellement sous la main. Parce que j'en ai cherché pas mal, donc du coup ça serait bien que j'en ai une. Après ça se récupère vite, c'est assez cool ça. Ok. New. Nouvelle map. Et je pense que là, ça va être la dernière heure avant qu'on se retrouve tout à l'heure à 21h pour chronologie des femmes artistes. Histoire que je fasse une pause, que je me repose, que je prenne un goûter, un petit déj, je sais pas, n'importe quoi qui me sustente. Et qu'ensuite, je puisse aussi déplacer les vidéos de VOD. Histoire de qu'il y ait moins de place sur l'ordi, alléger l'ordi, nettoyer l'ordi, ce genre de choses là. Alors je suis en train de mettre en place Photoshop là. Mais il a l'air d'avoir du mal. Donc, quelques minutes. D'ailleurs je fais un gros big up à tous les robots de Twitch. Big up à vous, hein, vous êtes présents. Je sais pas pourquoi vous êtes tous là, mais vous avez décidé d'être là. C'est fini, Emily. Hein. Tout à l'heure, c'était tout à l'heure, Emily. Maintenant, on a fini. D'ailleurs, faudrait que je nettoie aussi ça, mon ordinateur de ce côté-là. Histoire qu'il n'y ait plus de ex. Alors. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et je vais vous afficher Photoshop. Et on va sans doute aller chercher, devoir aller chercher aussi une image de hop. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? Voilà, c'est ça. Et on va sans doute devoir aller chercher une image de... Voilà, c'est mieux là. Peut-être agrandir un peu sur les côtés. Non, ça c'était la mauvaise fenêtre. Mauvaise fenêtre. Voilà, je peux plus revenir en arrière, bien entendu. Je vais remettre bien comme c'était. Ça devait être là. Voilà, comme ça. Hop, et du coup c'est celle-ci qu'il nous faut, qu'on agrandisse un peu. Bon, tu me laisses faire, merci. Je mets ça bien de façon à ce qu'on puisse le faire tranquillement. Que ce soit rentré dans le marbre un peu de cette fin de flash. Voilà. Voilà. Et je pense j'ai l'impression qu'on arrive au moment où je me suis arrêté dans Ouverture Facile, ce qui est à cause du travail au lycée. Ok, donc on va recommencer par Martin, je crois que c'est Martin qui est le premier, martin.jpg.text.
Et on va se noter les villes. Alors, je ne connais pas du tout les villes de France, donc on va devoir aller les chercher. Alors, Niort, c'est où sur la carte? Je crois que c'est dans le nord. Niort, c'est là. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer cette image ou pas? On commence par Niort. On va récupérer cette image-là. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de prendre une image. Hop, enregistrer image. Regardez ça. Et on va se faire des points. On va relier. Ok. Hop, je l'importe. Ça va s'afficher. C'est censé s'afficher. Voilà, ça charge. Ok. On n'a pas besoin de l'agrandir. Je pense que c'est très bien. Très très bien. Merci. Du coup, on va peut-être commencer à faire des petits trucs intelligents. On va faire genre des groupes. Donc Martin. Martin. Hop. Mets dedans et ça c'est ton ça va être ton dessin. Ok, je reviens en arrière. Il a fait Niort. Niort qui est du coup on revient sur Niort. Excusez-moi, je suis un peu bête. On va faire il a fait Libourne, Brive. Saint-Irix. Saint-Irex, je sais pas où c'est non plus, mais apparemment c'est un endroit. Angoulême, et c'est un peu baladé hein, Martin. Limoges, peut-être que c'est une ligne droite, on va regarder, hein, mais c'est possible. Hein. Guéret. Luçon, et ensuite bonne chance. Donc lui, logiquement, il a fait le bon chemin. Donc on va regarder au fur et à mesure les endroits. Hop, on commence. Niort. Donc on a dit que c'était, je crois que c'est dans le département, c'est en bas du... Ouais, c'est ça, c'est en bas, ouais, c'est là. C'est exactement là. Donc on revient sur notre map. Excusez-moi, je vais pas être très précis, mais... Je crois que c'est là. C'est en jaune. Ouais, pourquoi pas en jaune. Voilà, il a fait Niort. C'est ça, hein. Oui, c'est à peu près. Oui, bon, ouais. Ok, hein. Il est sur le bras. On va le mettre un peu mieux, comme ça. C'est bon ou pas? Voilà, il est à peu près là. Peut-être on va zoomer. Voilà. Hop. Là j'ai fait une tache jaune pour dire qu'il a commencé ici. Ok. Niort c'est bon. On revient un peu. Je suis désolé, je fais des changements de fenêtre aussi en fur et à mesure. Comme ça c'est bien. Libourne. Libourne c'est en bas de Bordeaux. Ok. C'est là, Libourne. Mais t'acceptes que je peigne? Ouais, merci. Donc logiquement, il a fait ça. Tac, tac. Ok. Donc ça, c'est la première. On continue. Brive. Alors, Brive, c'est Brive-la-Gaillarde, on est d'accord, c'est la même chose, hein. Et après, il est allé dans les terres. Du coup, il est au-dessus du bras de je sais pas quoi. Je suis pas très fort en géo. Hein. Je pense que ça s'entend. Ici. Ok.
J'espère qu'il a fait un carré et qu'il a écrit bien. J'espère. Hop. À Saint-Hierx, la perche. Il est remonté un tout petit peu. Il est remonté un tout petit peu. J'espère que c'est, ça fait une lettre à la fin, j'espère, parce que sinon. Ça devient ridicule à la fin. Ok, Angoulême. Ah, il est revenu un peu sur ses pas là. Ok. Enfin, sur ses pas, sur ses ailes. Ouhouhouhou. Angoulême, c'est par là. Vérification. Ça a l'air d'être ça. Alors, je sais pas s'il a fait vraiment quelque chose de très logique hein, dans son parcours, mais ok. Limoges. Il est revenu en arrière là. Ah, c'est remonté un tout petit peu plus haut. Ok. J'ai l'impression que c'est ridicule ce que je fais. Parce que là, il est revenu en arrière, non? Attendez, je regarde la carte là. Parce que. Oui, on dirait qu'il est revenu en arrière. Je suis monté trop peut-être. Là il fait des trucs pas très clairs hein, moi je trouve hein, l'oiseau. Guéret. Oui bah il est clairement en train de faire des demi-tours. Ok. Je vous montre ce que j'ai fait. Guéret. Bon, j'espère que c'est ça qu'il faut faire, parce que là, ça n'a aucun sens. Luçon. Et là, il est en Vendée. Ok. Je connais pas, hein, comme j'ai dit, hein, je connais pas. Et là, il est reparti dans l'autre sens. Boah. Est-ce que c'est très clair que Martin, il est pas très droit, là? Après, c'est un oiseau, je veux bien, mais... C'est un B, c'est censé être un B. Bon, Martin, c'est bon, on a fait ton travail. C'est bien, Martin. Ok, on fait une autre page. Pic, pic, voilà. Du coup, le prochain, c'était qui? Donc ça, c'était Martin. Il a fait des trucs bizarres, mais il les a fait. Auguste. Je sens qu'on va s'arrêter à la fin. Celui-là est pas mal, mais il va prendre du temps. Carcassonne en premier. Ok. Saint-Gaudens. Ok. Lectour, je sais pas où c'est. Albi. Ok. Condon. Bergerac. Ça, je suis... Bergerac et Aurillac, j'y suis déjà allé. Et Aurillac. Ok. Eh bien, on va faire ça au fur et à mesure. Wiki. Je vais changer de couleur, hein. Bien entendu. Lui, c'était Auguste. Je vais nommer Auguste. À Augustus. Et on va changer de couleur. On va mettre un rouge. Est-ce que je peux changer de couleur, en fait? S'il te plaît. Ah oui, c'est parce que ça a changé d'endroit. On va prendre un rose. Tant pis.
Comme ça c'est fait, rose. Hop. Carcassonne, c'est tout en bas. Alors attendez, faut que je vérifie puisque le problème c'est qu'on a eu des petits problèmes d'aller-retour. Hein. Carcassonne c'est bien au milieu. C'est là. C'est dans les montagnes. C'est un petit peu plus haut, mais... Enfin, ouais, c'est un peu plus sur la droite, mais je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Oui, ça doit... c'est à peu près ça. Ensuite, Saint-Gaudens-Lance. Ah, là, il va vers les... Il va vers le... Enfin, je vous montre. Il va vers le... Les Pyrénées. J'adore ces flèches. Les flèches à l'arrache, c'est toujours les meilleures. Hop, hop. Lectour, Lectour. C'est une commune française qui est où? Ah, qui est un tout petit peu plus haut. Ça, ok. Un tout petit peu plus haut, juste au croisement. D'accord. On revient. C'est ici. On dirait un B, hein, le jaune. Hein. J'espère que c'est ça. Hein. Que c'est un B. Lectour, Albi. Ça me rassure que ce soit pas de la cryptographie. Hein. Je vous l'avoue. Ou de la stéganographie. Après, ça veut pas dire que c'est bon. Et là, on revient un peu sur nos pas. Hein, mais ok. Ok. Donc là, pour moi, on est ici. Comme ça. Voilà, à peu près. J'ai l'impression que il veut plus repeat. Tu veux plus repeat? Moi, je veux bien que tu repeat. Ouais, merci. Tac, tac, tac. On en était là. On revient ici. Pac. Oui, c'est à peu près ça. Condon dans le GR. Et là, il revient encore sur ses pas. Bon. On est d'accord que là, il revient presque proche de Saint-Isère, je sais pas quoi. Là. Bon. Il a fait ce chemin, hein, donc le jugeons pas dessus. Pour moi, tu fais ça, mec. Meuf. Pigeon. Ah, t'es allé un peu plus loin. Là. Alors, t'es allé un peu plus loin, on va être gentil avec toi, quand même. Toi, t'es revenu jusqu'ici. Pic. Voilà. C'est un E, ça. Ça va être un E, non? Il va remonter un petit peu. Ça va être un E, ça. C'est ça? Bergerac. Dis-moi que c'est un E. Oui, on va revenir vers Bergerac. Donc, on... Il remonte. Il remonte et c'est au croisement avec l'eau, là. Je vous montre. Voilà, c'est au croisement avec l'eau, vous voyez bien. Allez, c'est parti. On continue. Croisement avec l'eau, c'est quelque part ici, je crois. C'est à Béziers. Ça va être Béziers, l'endroit. Je vais essayer vite fait. Si c'est Béziers, c'est trop bien. Si la ville, c'est Béziers, c'est génial. J'ai pas envie de chercher, pas envie d'écrire pendant 15 ans. Il est à Béziers. Il est à Béziers, wesh. Oh, c'était ça. Oh, c'était ça. Ouais, c'est grâce au début, surtout, du truc. On finira un autre jour. Je pense que c'est mieux. Comme ça, on avance. Sinon, on va être trop en retard. Donc, niveau 35. Est-ce que je peux changer quelque chose, là? Non, non, non. Ah, je peux aller dans ouverture facile. Le forum d'ouverture facile. Indice. Topic. Ça a été la dernière visite, c'était hier. Donc c'est Swan, qui est notre cher créateur. Voilà, membre, message, 0, lancer le jeu, forum. Je peux cliquer sur forum, apparemment. Ah! Je peux déplacer forum.
Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a des chiffres. Je vais peut-être afficher plus le. Je vais enlever ça. Je vais fermer Photoshop. On n'en a pas plus besoin pour l'instant. Je vais sauvegarder, histoire qu'on puisse continuer la suite. Je vous ferai peut-être ça en dehors du jeu et pour vous montrer quand même la réponse. Là, je l'ai deviné parce que c'est un BE hein, au début. Il n'y a pas 36. Si, il y en a plein en fait. Mais voilà. C'était juste. Voilà. Ok, je vais écrire Béziers voilà, avec un S, parce qu'il y a un S dans Béziers. Oui, je veux le maximum de la capabilité. Capabilité. Ok, j'espère que ça va être bien. Hop, je ferme, comme ça on va avoir un peu plus de ressources. Ok, donc du coup maintenant je vais pouvoir vous montrer du coup les notes. On va renoter. Je vais écrire en plus du coup la suite qui était de du coup le niveau d'avant, 35. Nouvelle, hop. Bloc-notes. Et on va noter les nouveaux trucs. Du coup, on n'a pas eu le. Ça allait prendre 15 ans. Et je suis très content de qu'on ait réussi à. Enfin, que j'ai réussi du coup avec vous. À distance. À faire celui d'avant sans la totalité. Mais je crois que je m'en suis rappelé en fait. C'est possible que je m'en suis rappelé. Donc là, il y a plusieurs trucs. 96 et 27. J'espère que c'est pas. Non, c'est pas possible que ce soit les. Donc c'est égal. C'était derrière le logo de ouverture facile, déjà. Le logo. Et là, on a égal 75, égal 7, égal 6, égal. Etc. Donc, c'est le forum d'ouverture facile. Indice, topic, les topics. Est-ce qu'il faut qu'on aille sur le forum du coup? Je pense que c'est possible. Essayons. Help. Alors, ce sujet. Alors, c'est déjà. L'énigme a été modifiée, dit Swan. Tu trouveras de l'aide dans les parages. Je dois comparer l'image avec le forum. Non, c'est une ancienne capture, pas un jeu de cette erreur. Oui, très utile, tu vas en avoir besoin. Sur ton. Alors un ton sur ton. Est-ce que c'est des couleurs du coup? Je vais regarder le code vite fait de ça. On va regarder le code du truc parce que c'est possible que ce soit ça. Parce que là il y a le logo qui se déplace. C'est sans doute quelque chose de caché. Alors langage non, c'est pour ça c'est le JavaScript. C'est pas ça. Centré. Béziers SWF. Oui. JavaScript. Rec favorite. Save GIF. Ok. Je regarde tout. 1.10. IBéziers. Normal. Script. Du coup, non. Aide. Toujours pas. Officiel de ouverture facile. Je regarde les chiffres des réponses et compagnie. C'est possible que ce soit ça. Non. On voit c'était actif en 2005. Hein. Mais je suis pas si vieux que ça. Ton sur ton. Pour moi, ça devrait être. Alors, si on dit ton égale 75, est-ce qu'on trouve quelque chose? Parce que je sais qu'il y a des. Ton sur ton.
ton sur ton. Qu'est-ce que ça veut dire ton sur ton? Toi sur toi. La tonalité sur la tonalité. Le égal est important. C'était derrière le logo. Est-ce qu'il faudrait qu'on traîne du côté du forum déjà? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est égal à 75? Est-ce qu'il y a quelque chose avec égal 75? En tout cas, clairement, il a changé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un junior, j'avais oublié. Bon, on l'a pas fait. Peut-être qu'on le fera un peu. Non, on fait la version, enfin, la version que je connaissais, quoi. Il n'y a que ça qui est modulable, à part le logo. C'était caché comme ça. On a dépassé le logo. C'est dans le forum. Égal 75. Si j'écris égal 75 dans la recherche, là, c'est où la recherche d'ailleurs? Recherche. Que des news d'ailleurs dernièrement? Non. 2018 la dernière. Ok. Compliqué. J'essaye de trouver un autre endroit où on peut accéder. Ton sur ton. Ça serait Paris. 7, je sais pas. Si on reste sur les histoires de France. Ton sur ton, ça serait. Ça veut dire quoi ton? D'ailleurs, ton sur ton, c'est sur le. C'est la couleur sur couleur, quoi. Franck Provo. Qu'est-ce qu'une coloration ton sur ton? Dite semi-permanente, la couleur de ton choix sur la couleur ton sur ton contient des agents oxydants mais pas d'ammoniaque. Elle pénètre dans les couches internes du cheveu. Mais ça n'explique pas ça. Ça explique rien, monsieur. Ton sur ton, Wikisonia. Voilà, on va regarder. Normalement, c'est la même couleur ou le proche de la même couleur. De la même couleur avec des intensités différentes. Donc est-ce que ce serait genre du blanc ça voudrait dire c'est possible que ce soit ça, hein. Cette énigme a été modifiée depuis la migration.
Y a de la musique? Y a de la musique là? On entend de la musique? Pourquoi il dit tordu, celui-là encore? Ok, en effet, tous les indices sont là, comme d'habitude. Le ton sur ton aide vraiment, mais le truc de la musique, c'est pas ça. On peut s'habiller ton sur ton. Par exemple, pas besoin d'en savoir plus. Alors apparemment, faut bien regarder le forum. D'accord. Alors, on va checker. On voit juste jusqu'à administration. Donc, nous, on n'a pas accès à l'administration, j'imagine. Oui. À propos, aide, tutoriaux, suggestions, création d'énigmes, administration. À propos, aide, tutoriaux, création d'énigmes. Ouh là 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 là. On peut toujours y fouiner dans le grenier. Ben, on va checker le grenier. Hein. Il n'y a rien dans le grenier. Très bien. C'est très bien. Très très bien. Et on est bientôt à la fin de la troisième heure. C'est magnifique. On va être bloqué sur celle-ci, je crois. Et on va s'arrêter là, sans doute. Donc là, soi-disant, on est censé pouvoir voir quelque chose avec un son. Parce que ton sur ton, à la limite, je peux comprendre l'histoire de couleur avec égal. Il peut y avoir un sens. Ah. C'est les codes. D'accord, c'est un rapport à la musique. Donc égal, non, non, non. En fait, c'est pas des égales, c'est des. Faut transmettre la note en musique. Faut transcrire la note en musique. Donc, par exemple, si je mets 75. C'est pas ça. C'est une note de musique. En fait, le truc, c'est que 75. Il devrait y avoir un truc comme ça, genre égal 75, musique. C'est lié à la musique, en fait. Le égal. Alors, c'est peut-être juste la tablature. Je vais regarder la tablature. Je pense que je crois que je l'ai déjà fait celui-ci aussi, tablature musique. Parce qu'en fait, ouais, voilà, c'est pas vraiment des égales, je pense que c'est clairement des lignes. Là, par exemple, là, avec les nombres, on présente les cases sur lesquelles doivent s'appuyer les doigts de la main. Par exemple, si c'est 7 et 5, alors on va peut-être chercher tonalité musicale. Tonalité. Parce que je comprends pas le rapport avec la musique, en fait. Bon.
Qu'est-ce que c'est une tonalité musicale? Ok. Il y a des chiffres. Par exemple, 7. Il n'y a pas. Par contre, il y a 5. Là, il y a 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ce serait A. Flat key, je sais pas si c'est des flats ou des. Waouh, ça devient compliqué, hein. Ouais. La tablature en chiffres, je pense que c'est ça. On va regarder un peu en plus. Y a-t-il un rapport avec la couleur? Merci bien. Moi, à mon avis, c'est plus de la musique qu'il s'agit, donc c'est les tons. Est-ce que tu dois me servir? Mon GIP, enfin, fraîchement taillé pour résoudre cette énigme. Non, c'est juste de l'observation et de la recherche. Peut se reposer sur cette énigme. Y a-t-il besoin d'une quelconque notion d'informatique pour cette énigme? Parce que je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'important sur les nouvelles pages que l'on trouve. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Ah, on trouve des nouvelles pages? Je ne vois pas ce qu'il soit nécessaire. Ou alors, si on peut appeler ça une notion d'informatique. L'observation suffit. Donc on pourrait regarder juste cette page-là, regarder ça, et comprendre. Je suis perdu. Comment il a fait, du coup, parce que si c'est juste l'observation, est-ce que c'est par rapport aux chiffres? 81, 81, 12, 41, 35, 1. L'observation suffit. Je sais pas. Hein. Il y a quand même une deuxième page, on va regarder la deuxième page. Et on va s'arrêter après, je crois. Oui, pas besoin de. Oui, d'accord. Oui, le ton, c'est les couleurs, d'accord. Donc c'est pas les tablatures, c'est pas les notes musicales. Pas besoin de modifier parce que c'est ton navigateur. Je vais regarder dans la carte, encore dans les codes pour voir. Parce que là normalement il est censé y avoir le égal 75 etc. qui apparaît en fait. Et que je peux spécifier par exemple. En fait, non. Je vais essayer un truc. Si c'est dans le code direct. C'est possible que ce soit du code égal 75 du coup. C'est les valeurs. Du coup, si c'est des valeurs. Peut-être qu'il faudrait juste que je change les couleurs de certains trucs. Bon. Je crois que je n'y arriverai pas pour aujourd'hui.
Du coup, là, on arrive à la fin de la première, de la dernière heure pour ouverture facile, pour moi, en tout cas. On va s'arrêter là, je pense que c'est clairement mieux. La suite est intéressante, justement, ça, je pense que ça va être sur les couleurs, du coup, on va regarder un peu ce que je note. Je vais prendre aussi le lien. On est niveau 35, ce qui est déjà bien, on a quand même augmenté de cette fois-ci 10 niveaux, un peu plus, un peu moins. C'était nécessaire pour qu'on puisse avancer, de forcer un peu la main aussi à moi, au jeu, et aussi de pouvoir justement enchaîner jusqu'au maximum qu'on peut faire. J'espère qu'on peut finir, parce que ce serait cool. Voilà, j'ai remarqué que dans les replays, d'ailleurs, je vais quitter. Au revoir YouTube, j'espère que tu es content de ton replay. Au revoir, bisous.